Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue en direct du Creative School Lab de Malone. Je suis Virginie et je suis toujours accompagnée de Vanny. Bonjour Vanny. Salut Virginie, alors qui sommes-nous? Nous sommes des étudiantes ici même à l'ENALUX de Malone, dans la section Géographie, Histoire et Sciences Sociales. Le Creative School Lab de Malone a été créé en septembre 2016 par une équipe de professeurs de la section Géographie, Histoire et Sciences Sociales. C'est lancé dans la création d'un labo créatif, donc les professeurs, excusez-moi. La finalité de ce projet consiste à imaginer et à faire vivre à des futurs enseignants des dispositifs pédagogiques, créatifs et variés dans un espace approprié afin d'élargir l'éventail des pratiques transférables dans l'enseignement secondaire. Alors, durant toute cette émission, nous vous ferons vivre ces activités en direct aujourd'hui. Vous aurez aussi l'occasion d'entendre les témoignages des étudiants, mais aussi des professeurs et également des maîtres de stage qui accompagnent les professeurs dans les écoles, les stagiaires dans les écoles. Cette émission est réalisée en direct et sans montage, donc n'hésitez pas à réagir vraiment ou à poser vos questions avec le hashtag Malone qui normalement s'affiche en bas de votre écran. Mais s'il ne s'affiche pas, c'est pas grave, n'hésitez pas. Je précise, c'est le hashtag Labo Malone. Mais avant tout, nous allons vous faire découvrir en images notre laboratoire de Malone, ses équipements et ses activités. Ce reportage a soigneusement été réalisé par les premières GHS. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Labo Malone. À tout de suite. Jenny, Augustin, que pensez-vous du lab ? C'est un endroit convivial où tout le monde est le bienvenu et où nous nous y sentons bien. Au début, c'était un petit peu plus délicat, mais depuis qu'il est aménagé, c'est un peu comme une deuxième maison. Oui, je crois que c'est comme Jenny dit, c'est un lieu d'échange et on s'y sent bien. Ok, qu'est-ce que vous faites maintenant pour le lab? Alors, nous préparons l'inauguration du lab qui aura lieu demain en s'occupant du fléchage. Comme nous avons certains travaux dans la rue de Malone, nous préparons donc des petites affiches pour que nos invités ne se perdent pas en chemin. Et vous êtes dans quelle partie du lab, là? Là, nous sommes à l'extrémité, donc à côté du bar, de la machine à café, un endroit un peu plus de travail. Ok, merci. Pensez-vous du Creative School Lab? Mais vous savez, moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises classes. Moi, si je devais résumer mon expérience d'un an aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui se tendent la main, peut-être à un moment où on ne savait plus, où on était perdu. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, parce que quand on a le goût des choses bien faites, l'interlocuteur en face de vous devient le miroir qui vous aide à avancer. Je dis merci au lab, je chante le lab, je danse le lab. Et quand les gens me demandent « mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement que c'est le goût de l'apprentissage qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre les études GHS. Et demain, qui sait, peut-être me mettre au service de la communauté, de faire le don de soi. Merci. Comme vous avez pu le voir, ce projet est grandissant. Il n'est pas encore terminé, puisque durant les prochains mois, le laboratoire va déménager au premier étage de notre implantation, ici même à Malone. Maintenant, vous allez vivre en direct l'inauguration de ce laboratoire, en présence de diverses personnes responsables du projet. De l'ENALUX, évidemment. À suivre, une interview d'un responsable de ce projet pour l'implantation de Malone et d'autres surprises par après. Je rappelle que vous pouvez réagir grâce au hashtag Labo Malone sur tous les réseaux sociaux. Nous poser vos questions, vos commentaires en direct, nous y répondrons avec plaisir. A tout de suite.
Vous êtes toujours en direct du laboratoire créatif de Malone. Et maintenant, nous accueillons Madame Collignon, professeure des géographies, qui est une des personnes responsables de ce projet. Bonjour Madame. Bonjour Virginie. Alors, première question, d'où vous est venue l'idée d'intégrer ce projet au département de Malone ? Eh bien voilà. Avec des collègues, nous nous sommes rendus compte qu'on manquait d'espace à l'étage. Et donc, nous travaillons beaucoup dans le cadre de nos cours en interdisciplinarité. Donc, on s'est dit, comme ça, un petit peu en blaguant, eh bien, on va abattre les cloisons. Et donc, voilà. Et de là, il est le projet. Donc, le projet naît d'une blague entre collègues. Voilà, tout à fait. Super. Et d'un besoin d'espace. Donc, concrètement, comment ces nouvelles méthodes ont été mises en place auprès des élèves et des professeurs ? Eh bien là-bas, dans ce cadre, nous avons la chance de travailler avec un étudiant qui a réalisé d'ailleurs son travail de fin d'études sur le Creative School Lab. Et donc c'est lui qui, quelque part, a lancé le laboratoire créatif. Nous avons adopté les mêmes méthodes que lors de la formation suivie à Fourière, à savoir réfléchir quelque part à ce qui ne nous plaît plus et réfléchir à nos attentes et nos besoins. D'accord, et donc qu'avez-vous mis en place avec vos étudiants, par exemple, comme activité ? Ah, eh bien, nous avons commencé par un brainstorming pour voir un petit peu quels étaient les problèmes, ce qu'ils ne voulaient plus, et nous avons poursuivi avec leurs attentes. Et de là est né des espaces modulaires, et à partir de là, nous avons mis sur pied le laboratoire créatif de Malone. Où, je suppose, des activités créatives sont mises en place. Voilà. Entre autres, tout le processus créatif n'est pas spécialement mis en place uniquement dans le LAP, mais c'est vrai que le LAP est approprié pour pouvoir les développer. Tiens, vous dites que le processus créatif n'est pas fait que dans les labs. Est-ce que je peux avoir des exemples faits à l'extérieur ? Oui, bien entendu. Donc, dès que nous sommes sur le terrain, alors à ce moment-là, on peut également les développer. On l'a fait dans le cadre d'une découverte de la métropole à Lille avec les étudiants de 3e et ce, pour des élèves de Sainte-Marie-Namur. Mais ça se fait dans d'autres projets également. Un exemple concret d'activité créative ? Un exemple concret, eh bien, on a travaillé pas mal cette année, peut-être un peu trop pour les étudiants, sur le brainstorming, la table de concassage, pour systématiquement trouver des solutions à un problème. Mais nous avons également utilisé beaucoup des techniques d'impro, de matchs d'impro. Donc là, je pense que c'est important. Et on fait appel finalement à tout le processus du design thinking. Très bien, encore une petite question. Vos premiers résultats, qu'en pensez-vous ? Les premiers résultats du Creative School Lab, quels sont-ils ? Eh bien, donc ici, l'étudiant a réalisé 3 enquêtes de satisfaction et on peut voir que le projet est vraiment approuvé par l'ensemble des étudiants. Maintenant, comme tout changement, cela demande aussi des ajustements. Il y a des choses qu'il faudra revoir. Il faudra évidemment développer les différents processus créatifs. Donc ça, c'est important. Mais je pense qu'ils sont vraiment preneurs et ils ont besoin de ce changement. Les étudiants aussi ressentent l'envie, l'engagement de changer un petit peu l'enseignement tel qu'on l'a connu ces dernières années. Tout à fait. Et ils ont le plaisir aussi de transférer déjà un certain nombre de choses dans des pratiques professionnelles, dans le cadre de leur stage, etc. Et donc, les élèves aussi sont motivés. Je pense que de placer l'élève ou l'étudiant en tant que chercheur et personne, je vais dire, active dans son apprentissage et surtout retrouver le plaisir d'apprendre, eh bien oui, ça fait sourire les étudiants, ça fait sourire les élèves. Donc, grâce à la créativité, l'élève se retrouve maître et acteur de son propre apprentissage. Il devient plus autonome, plus responsable. Nous insistons beaucoup sur la collaboration. Ça va même jusqu'à une évaluation collaborative en 2e et en 3e. Donc voilà, pour bientôt. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et je pense que pour avoir vu les élèves en humanité être acteurs comme ça à un moment donné et être chercheurs, eh bien oui, franchement, ils étaient vraiment motivés. Très bien, merci. Avant de terminer cette interview, nous allons voir ensemble une vidéo reprenant les premières productions de vos élèves sur le terrain, issues de la pensée créative du labo. On en parle juste après ensemble. Maximus Meridius, général des Légions du Nord, général de l'Empereur, Marc Aurèle, le philosophe de Colisée, de Septortiforme, le Parabellarium. Ok, c'est
vous assister aujourd'hui au premier match qui opposera les Curiata. Grecio. Donc nous trouvons ici au monument Victor Emmanuel II, qui a été construit par l'architecte Giuseppe Sacconi en 1885 à 1911. Tu peux voir ici juste en face la place de Venise, qui est un point stratégique de la circulation à Rome. Vous pouvez le voir, elle a été construite de Maltesia. Alors bienvenue sur le marché de Trajan. Alors pourquoi ce nom Trajan? Alors pourquoi Trajan? Bien, mon cher frère, voici devant la basilique de Saint-Marie-Majeur. Avez-vous des questions? Bien. C'était quoi avant? C'était une nécropole. C'est tout ce que c'est une nécropole. Oui, c'est là il y avait des morts. Très bien, Nicolas, pour une fois, c'est très très bien. Une autre question? Oui, Laurent. Mais parce que il y a toute une légende, mais la légende ne parle pas de Jésus. C'est une légende qui est rédigée au mois d'août et donc on aurait construit ici la basilique. Mais Jésus n'intervient pas du tout. Autre question. Est-ce que la basilique a été touchée pendant la guerre de 14? Ah non, lors de la guerre 14-18, la basilique n'a pas été touchée. C'est pour ça que nous pouvons encore la voir aujourd'hui. Monsieur, on peut faire du bruit dedans. Ah non. Non, non, il faut faire absolument silence. Il faut d'ailleurs marcher sur ses chaussettes. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Eh bien, je me libère. C'est l'heure de la récréation. Ouais. Bonjour, la Belgique. Ok. Bonjour, la Belgique. Bonjour, la Belgique. Bonjour la Belgique. J'espère qu'Alex, tu manges bien. C'est super bon, t'as pas vraiment autant de légumes. Mais après ça, tout va bien. Moi, j'ai appris que tu manges jamais de légumes d'habitude. Je suis la patronne de Santa Maria del Popolo. L'église a été construite entre le 11e et le 15e siècle. On m'a bâti sur la tombe de l'empereur Néron afin de mettre fin aux superstitions des habitants de Rome, qui pensaient que le fantôme de l'empereur prenait toujours la place. En sécurité. Voilà, donc nous sommes de retour sur le direct. Comme nous avons pu le voir, les étudiants sont vraiment dans un nouveau moule, ok? Ils bougent, ils chantent, ils créent de nouvelles choses et testent plein de nouvelles choses. Nous avons ici en direct avec nous Fanny Bocca, une étudiante qui va ici témoigner d'un peu comment elle vit les choses, d'accord? Donc Fanny, bonjour. Bonjour Fanny. Donc, tu as vécu, toi, vraiment les méthodes ici de tes professeurs, tu es vraiment dans l'année de transition. Donc, comment peux-tu nous dire comment tu vis cette transition? Alors, depuis la création du lab, on a pu constater une évolution au niveau de la relation entre les élèves et les professeurs. Donc, on sent vraiment qu'il y a un esprit de collaboration qui s'est instauré. Beaucoup d'activités innovantes et la créativité est au centre de tout, je dirais. Voilà. Super. Et qu'est-ce que tu peux dire? Tu penses que le Creative School Lab, qu'est-ce qu'il apporte à ta formation? Alors, le Creative School Lab apporte tout d'abord donc son esprit, le fait que l'élève soit au centre des attentes, que l'élève soit acteur de son apprentissage. Donc, pour réaliser cette philosophie, des innovations, des expériences, des activités ont été mises en place. Et ces activités, nous pouvons les utiliser dans les stages, au cours de nos activités en cours, etc. Et au niveau peut-être, pour nous parler un peu de la philosophie du lab, puisque c'est toi qui t'occupes du stand, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est pour le créatif ici? Alors, donc la philosophie du lab, comme je l'ai dit, ça signifie mettre l'étudiant au centre de son apprentissage. Donc pour ce faire, il y a plusieurs systèmes qui ont été mis en place. Comme exemple, je peux vous citer par exemple les mind maps, qui sont vraiment un outil qu'on utilise au quotidien, hein, tu peux le constater. On utilise aussi les tables de concassage, donc c'est-à-dire on part d'une idée et puis on la divise, on l'améliore, on l'augmente, voilà, c'est le terme exact, on l'augmente. Sinon, le Creative School Lab nous apporte
beaucoup d'outils innovants. Je ne saurais pas donner d'exemple plus précis tout de suite. Et voilà, l'idée est là. Superbe, écoute, merci beaucoup Fanny en tout cas pour ton témoignage qui était, je pense. Donc n'oubliez pas, vous qui nous regardez en direct, de réagir, de poser des questions, de commenter nos vidéos directement avec le hashtag LaBeauMalone. N'oubliez surtout pas, c'est important, réagissez. Et tout de suite, nous vous lançons un petit reportage sur notre voyage à Rome. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Alors, il est 15h, dans exactement 12h, nous on se réveille pour partir à Charleroi. Voilà, tiens le Been his whole life being too young. Et vous le découvrirez dans la synthèse finale. Moi, je ne fais que donner un point. Alors, Mais moi, je dois faire quoi quand j'arrive là-bas et que je tape dans la main pour réussir? Non, en fait, ça me prend. Moi ouais. Non, mais pour courir, faire là-bas. Ah ben voilà, je vais te donner le relais. Tu vas aller le donner. Mais après, elle le donnait alors. Oui, oui. Ah oui, c'est ça qu'elle voilà, t'as bien fait ça. Eh, bonne merde, les gars. Attends, excuse-moi. Déjà, il faut le temps. Hein. Ouais. Comment tu te sens avant cette course magnifique? Je me sens stressée, mais je suis au taquet. Est-ce que c'est une course dure, de base? Ça va, ça va. Il faut avoir un petit peu de niveau, quoi. Ça va. Ça va vite, ça va. C'est parti. Oh ouais. You? Oh ouais. Bonjour. Regarde, il y a le reste. Il est où ton chéri en fait? C'est pas perdu le bonbon. Il est, mais il est où Alex? Exact. It's just that something to hold on to. That's all she needs. Yeah, if I could be like that, I would give anything just to live one day here in the shoes. If I could be like that. Super bien sculpté, vous avez gagné un beau fessier.
Et vous, Regis Meganus. Regardez ces muscles super forts. La facilité du regard. Et ses mollets. Alors, le chrono aura lieu avant de revenir nombreux. Avant qu'il ne s'entraîne. Bravo. Ok, bienvenue au Colisée. Vous assisterez aujourd'hui au premier match qui opposera les curliateurs. Ce sera le premier combat où les coups de sèche-cheveux, lisseurs, crêpages de tignons sont autorisés. Alors comme vous le voyez, elles sont sublimes, elles sont magnifiques, elles sont même sublimes. Les filles, vous faites quoi là? Mais on se déshabille. Mais vous devez vous battre. Ah. Oh. Curliateurs, parce que nous n'avons bien. Avec à tous, venez voir notre, en tout cas venez nombreux pour contempler notre spectacle de danse, parce qu'on va faire autre chose qu'un combat dans le Colisée. Donc vous pourrez admirer différents styles de danse. Donc nous verrons évidemment la danse guerrière, parce que nous sommes au Colisée, n'est-ce pas? Nous verrons également de la danse romantique, romantique. Nous verrons également de la danse plus moderne, comme le twerk par exemple. Oh, ça twerk là, oh. Nous verrons également, oui, en fait, un paquet de styles de danse et nous nous amuserons bien tous ensemble. Bravo. Gladiateur, retourne-toi vers eux. Domenico. Je m'appelle Maximus Decimus Meridius, général des Légions du Nord, général du grand empereur Marc Aurèle. Je suis dans ce Colisée de Septentiport. Par un velarium. Stop, stop, stop. Bon, je devrais faire une recherche de déjeuner de qualité pour et nous aurons notre vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Voilà. Bravo. Toute votre attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Enchanté, dame. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'unique dans ce beau Colisée. Un défilé de belles gladiatrices. Nous avons un modèle. Oui, les autres étaient prises, donc on a dû se faire. Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne vous inquiétez pas. Maigre, mon fils, je t'apporte un divin cadeau, la chaussette. J'en ferai 14 pouces verts pour toi et tes 13 pouces. Amen. Amen. Lorenzo. Oh, mon Dieu. C'était pas qu'un truc. Le dit, c'est maigre. Poufti. Oh my god! Oh, misère! Et médiatique! En plus, papa a vu là, monsieur Jusset, mais oui, vous avez le monument, Victor Emmanuel II, premier roi d'Italie. Ouais! On peut même voir! Oui. Oui. Comment? Tu peux m'électriciter maintenant. C'est parti. Attention. C'est quoi? 3, 2, 1. C'est parti. Panini. Spaghetti bolognese. Risini. Lasagne. Crème chantilly. Et Aurel, il ne fait même pas bien. Aurel, tu ne fais pas bien, ma bouche. Éliminez-les, hein, les filles. Ce tombeau sera votre tombeau. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your life's the only way. It's like you're always stuck in second gear. When it
Alors bonjour les profs, je mange mon biscuit, regardez, elle a, on y est, ouais! Voilà, nous sommes de retour en direct sur le live. J'ai ici avec moi une étudiante, Mélissande d'Espagne, qui va nous présenter un peu le projet ROM que vous avez pu découvrir maintenant en vidéo, en direct sur le live. Donc Mélissande, bonjour tout d'abord. Bonjour, bonjour. Alors, bon anniversaire Mélissande, c'est l'anniversaire de Mélissande, voilà. Alors, donc que peux-tu nous dire sur le projet ROM? Qu'est-ce qu'il en a été? Comment vous avez travaillé? Que peux-tu nous dire en général? Quel était le but de ce projet? Alors, le projet ROM, c'était une grosse nouveauté pour nous, puisqu'on travaillait avec une autre section qui était la section français FLE et français religion. Donc déjà, c'était des gens, enfin, on a cours avec eux, mais on les connaît pas vraiment, donc il avait fallu d'abord une petite phase de prise de connaissance, et puis ensuite on a essayé de voir les idées toutes plus folles les unes que les autres qu'on pouvait avoir pour avoir des idées créatives à ROM. Donc il y en a qui voulaient faire un ROM mangeable, on faire une chasse au trésor sur Bazon et Gédémon. Il y avait plein d'idées un peu farfelues comme ça. Puis voilà, on a essayé de reconcrétiser un peu tout ça. Et on avait chacun un quartier, chaque groupe avait un quartier. Chaque groupe mêlait des élèves, des étudiants de GHS et de français. Et voilà. Et que peux-tu nous dire au niveau de la préparation? Comment elle s'est passée? Comment vous, avant le voyage, quoi, je veux dire. Hein, donc, comment vous avez procédé pour préparer justement les différentes activités sur place? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident de préparer quelque chose dont vous n'avez pas pu vous rendre sur place, en fait. Oui, bah, en GHS, on a un peu l'habitude, puisqu'on fait souvent ce genre de journée terrain où on prépare une activité sur un endroit qu'on n'a pas visité pour la plupart. Pour Rome, ça dépendait des quartiers. Il y avait des quartiers qui étaient beaucoup plus faciles au niveau matière, genre romantique. Bah voilà, il y a alcoolisé, le forum, l'information est facile à trouver. Moi, j'avais Trastevere, qui est un quartier plus touristique. Donc, pour trouver des activités, c'était un peu plus compliqué. Il a fallu être vraiment très, très créatif. Et le but, c'est pas d'avoir des activités d'analyse de bâti ou faire vraiment que ça soit hyper novateur. Donc c'est vraiment, si j'entends bien, des procédés vraiment créatifs sur place pour ne pas que vos élèves se promènent avec des feuilles, des dossiers élèves, vraiment pour rendre la visite de Rome plus créative et moins lourde pour eux, c'est bien ça? Exactement, bah, je vais prendre l'exemple qui me vient en tête comme ça, c'était une course relais pour avoir des informations, pour ensuite venir à une synthèse. Donc on a quand même un apport matière, parce qu'on n'est pas là non plus que pour s'amuser, mais on n'est pas là non plus que pour
bouffer de la théorie. Et donc voilà, on mêle un peu les deux et le projet est assez sympa. En tout cas, un grand merci à toi, Mélissande, et encore un joyeux anniversaire, et profite bien de ta soirée. Voilà, donc n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas de réagir en direct, hein, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, avec le hashtag LaBeauMalone. Commentez, n'hésitez pas à poser vos questions sur tous les projets qui sont mis en place ici au sein de l'ENA Lux. Et j'espère que vous profitez bien de ce live. Et tout de suite, vous allez voir le reportage météo. Voilà! Bienvenue au Creative School Lab de l'ENA Lux de Malone. De quoi s'agit-il ? Le projet Creative School Lab vise la création de laboratoires de créativité au sein des hautes écoles pédagogiques afin de favoriser l'intégration d'une formation à la pensée créative dans la formation initiale des futurs enseignants qui se destinent à l'éducation maternelle, primaire et secondaire inférieure. Cette formation à la pensée créative s'appliquera à n'importe quelle matière d'enseignement ainsi qu'aux enseignements transcurriculaires. Équiper les jeunes adultes de demain afin qu'ils deviennent des individus capables d'inventer en permanence des solutions individuelles et collectives d'adaptation au changement implique que leurs enseignants les aient explicitement préparés à relever ces défis. Il s'agit à la fois de développer les compétences et les attitudes alliant créativité, esprit critique, persévérance, remise en question, imagination, inventivité, etc. qui en feront des adultes créatifs. Ici, vous pouvez observer de futurs enseignants en train de confectionner, tester et présenter des outils dans le laboratoire. Le but de cette séquence est de faire découvrir aux élèves la météorologie de manière approfondie et ludique. Durant ces séances de travail, la professeure analyse avec le groupe les productions et propose des pistes de réajustement si nécessaire. Alors, plutôt que de tout donner, j'avais mis dans l'enveloppe vraiment tout donner, moi je les mettrais d'abord dans la position de chercheur, c'est-à-dire ce que je fais, pas comme s'il avait fait mal. Rebonjour à toutes et à tous, je suis ici en direct avec Monsieur Noël, professeur d'histoire à Malone. Bonjour Monsieur Noël. Bonjour Virginie. Alors ici nous allons un petit peu parler de Calais parce que récemment nous sommes partis 3 jours en journée terrain à Calais, donc dans le nord de la France. Que pouvez-vous nous dire sur Calais ? Qu'avez-vous fait à Calais avec vos élèves ? Ah mais pas rien qu'à Calais, hein. On a vraiment bien sillonné tout l'ensemble du Pas-de-Calais, de l'estuaire à Calais. Je vous rappelle les bonnes activités, pieds nus dans l'eau. Mais bon, ça a bien passé. On a fait le plein de créativité. Vous avez été super parce qu'on a vraiment découvert plein de facettes, aussi bien des étudiants de bac 1, bac 2, bac 3. Vraiment un très très beau séjour à refaire et on attend l'année prochaine avec impatience. Donc là, vous parlez de la cohésion entre les premières, deuxième, troisième. Que pouvez-vous nous dire à propos de cela ? Eh bien, je pense que le lab a été un élément vraiment formateur et une cohésion entre l'ensemble des 3 années. Je pense que les premières qui sont arrivées le 15 septembre ici dans ce lab, par terre, hein, on n'avait rien, pas de chaise, pas de table, se sont demandé où ils sont arrivés. Pris en charge par les bac 2, je dois bien avouer que les bac 2 ont été moteurs de l'expérience, puisque les bac 3, eux, ben, ils avaient leur stage, leur TFE, etc. Donc je pense qu'une véritable cohésion s'est marquée avec ce lab, c'était une année super. Et on commence, et on veut continuer l'année prochaine. Super, merci. Un mot pour décrire notre petit voyage à Calais, un seul mot. Chaud. Chaud. Tout de suite, la diffusion d'un petit reportage sur nos 3 jours à Calais. Merci, ne bougez pas et surtout réagissez avec le hashtag LaBeauMalone. On vous attend. Mais je te pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bonjour. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. On va faire les post-it. On a dû prendre 3 minutes, fermer les yeux.
et penser à ce qu'on voyage. Est-ce que... Nos attentes. Oui, nos attentes par rapport au voyage. Voilà, c'est très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bon, je suppose que moi, vous m'avez déjà tous reconnu. Je suis bien sûr Olivier Mine, le présentateur de la légendaire émission Fort Boyard. Donc si nous sommes là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour tester un nouveau concept d'émission. Alors, je vous donne le départ. Charlotte, t'as des bottes aussi? C'est tout juste, ma vie, je pense que j'en ai. Bienvenue à ma note. Allez, tout ça! Ça fait du bien? Je vais réserver un peu. C'est pour le. Rien de tel qu'un bon bain de pied! Vous dites? Je disais, rien de tel qu'un bon bain de pied! Ça fait du bien? Oui! C'est délicieux. Est-ce que c'est dans la démarche créative? Tout à fait! Et en quoi, qu'est-ce que ça apporte le plus? Eh bien, il a fallu compter les cailloux. D'accord. Évidemment, Madame Coulignon est solidaire de ça. Vous êtes solidaire, madame? Oui. Ouais. Quelqu'un a un esprit? Non. Ça, on était pré-filmé, et puis après, on va le. Quelle heure est-il? 8h06. 8h06, petit déj aujourd'hui. Sympa le truc à la Malone. Bon appétit. On va où aujourd'hui? On va Cap Gris Vert et Cap. Cap Blanné? Cap Blanné. Cap Blanné et Boulogne. Et Boulogne, on va manger des pizzas. My life is brilliant. Rebonjour à tous, je suis toujours en direct du Labo Malone. Donc, on voit quelques réactions sur les réseaux sociaux, hashtag Labo Malone. On vous embrasse de la France. Il y a Nico BE, super de voir des jeunes enseignants tenter de nouvelles choses. Ben, merci Nico.
Tout de suite, en direct, le reportage d'un ancien. Oui, donc voilà, nous avons interviewé presque en direct un ancien étudiant de Malone qui est aujourd'hui enseignant à Saint-Jean-Baptiste-Mines. On vous montre ça tout de suite. Donc bonjour à tous, alors ici je suis en direct avec mon maître de stage, monsieur Bouyadou, qui est professeur à l'Institut Saint-Jean-Baptiste à Tamines. Et voilà, j'aimerais simplement lui poser quelques questions. Donc qu'est-ce que vous pensez du Creative School Lab ici? Et est-ce que vous pensez que ça serait bien d'intégrer ça dans votre école? Bonjour tout d'abord, puis ouais, je pense que c'est intéressant. Enfin, j'ai fait un petit tour vite fait, bien fait, on va dire ça comme ça. J'ai vu l'atelier avec les cartes topo et le nouveau programme. Je pense que c'est très intéressant de montrer ça à des élèves, d'autant plus que c'est beaucoup plus didactique. Et enfin, c'est impressionnant de voir qu'on peut même modifier et remodeler sur le moment. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait des outils sur la métropole, Rome et Lille, ainsi que la philosophie du labo. Donc, ouais, je pense que c'est intéressant, surtout qu'aujourd'hui, faire étudier des élèves, ben, ça ne sert plus à grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai avec les miens. Varier les activités, c'est beaucoup plus intéressant que d'étudier à chaque fois sur une feuille avec de la théorie. Et de les faire participer davantage, je pense que ça pourrait amener une plus-value. Ben, déjà, d'une part, qu'ils participent un peu plus, et puis... pour acquérir la matière plus facilement et avec un rendement meilleur, j'ai envie de dire. Voilà. Rebonjour, j'espère que cette petite interview vous a éclairé. Je suis maintenant avec Lucie. Bonjour Lucie. Et bonjour Virginie. Lucie qui est en première GHC, c'est donc qui vient de nous rejoindre cette année en septembre. Alors qu'est-ce qui t'a poussée à faire enseignante, à faire prof? En fait, j'ai vraiment voulu faire enseignante de base parce que je trouve que c'est un métier vraiment de partage où on voit que les élèves sont heureux d'apprendre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup, pouvoir partager le savoir, etc. En plus, histoire géo, c'est vraiment des matières que j'adore. On apprend énormément avec ça. Tout ce qui se passe dans le monde, on peut le changer grâce à ça. On apprend énormément. Et enseignante, pourquoi? Parce que le fait de partager, oui, le savoir, comme j'ai dit... le changement, tout le temps du changement, tout le temps revoir les cours, etc. On n'est jamais à rien faire et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré énormément. Super, merci. Et alors, la place de la créativité dans l'apprentissage, en fait. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal. Pardonnez-moi. La place de la créativité dans l'apprentissage des élèves, quelle est-elle selon toi? Pour moi, elle doit être énorme parce que maintenant, on a accès à tout. Internet, avec les téléphones, les ordis, les enfants, ils sont tout le temps non-stop connectés. Et si on n'amène pas quelque chose de créatif, les gosses, ils sont sur leur bureau, ils n'en ont strictement rien à faire et ça, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment tout le temps leur donner envie pour qu'ils soient tout le temps éveillés à tout. Et si on ne fait pas ça, ils ne bougent pas et ils vont mettre le bordel dans la classe. Désolée pour le vocabulaire. Donc, c'est à nous, futurs enseignants, aller les chercher, aller tout le temps chercher les élèves, à essayer de les motiver. Ce n'est plus l'élève qui est d'office motivé, c'est à nous vraiment, de par des procédés créatifs, aller les chercher et les intéresser. Oui, tout à fait. L'élève, lui, est intéressé par quoi? Par son téléphone. Si nous, maintenant, on arrive à changer ses idées, oui, il n'y a pas que ça. Pas tous comme ça, on ne va pas stigmatiser nos chers élèves. Hein, s'ils nous regardent... Je suis intéressée par mon téléphone. Et donc ça, il faut vraiment essayer de trouver quelque chose qui les intéresse. Et d'office, moi, j'ai testé des trucs créatifs en classe pendant mes stages. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc on a fait tout ce qui était, je leur ai demandé de créer une ville imaginaire où au final ils m'ont repris open field, bocage, donc c'est la théorie pure, mais ils me l'ont créé, ils m'ont fait des affiches, ils me les ont présentées et ils ont adoré, ils n'arrêtaient pas de me poser plein de questions là-dessus et au final ils ont dessiné, ils ont fait du collage, c'est peut-être tout bête, mais ça sort de l'ordinaire et ils ont vraiment adoré, ils étaient super fiers de leur travail au final, ils m'ont demandé, ils me font madame est-ce que c'est coté? Et je fais non, on a fait ça pour que vous puissiez apprendre et ils ont fait bah franchement on préfère ça, ça fait moins de stress et au moins on est content du résultat et on a bien appris quoi. Et ça c'est quand même vachement cool quand t'es prof de pouvoir avoir un compte rendu comme ça. Un feedback comme ça de la part des élèves, ça fait toujours du bien. D'accord. En tant qu'élève toi, donc tu étais élève il n'y a pas si longtemps que ça en rénové, aurais-tu apprécié un labo créatif dans ton école et des procédés créatifs dans ton apprentissage? Oui, bah, je suis sortie il y a 3 ans. Hein, mais... oui, ça c'est qu'un petit détail, hein, mais est-ce que tu aurais apprécié? Pourquoi? Franchement, j'aurais bien aimé plus de créativité parce que je suis quelqu'un qui a du mal avec la créativité. Je suis très linéaire et franchement, ça peut permettre d'ouvrir l'esprit à plein de choses. On arrive, oui, bah voilà, vous allez lire un bouquin, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec ça? Vous avez appris les courbes de niveau, on a appris sur des petites feuilles. Et par exemple, là-bas, on a un bac à sable où on voit les courbes de niveau en 3D. Et je pense que j'aurais beaucoup mieux compris comment ça fonctionnait avec les courbes de niveau, que c'est pas aussi que sur la terre ferme, c'est aussi sous-marin et tout ça. C'est hyper visuel et je pense que ça peut énormément aider pour toutes les intelligences multiples, etc.
Ok, donc il faut arrêter de toujours vouloir donner cours de manière classique et essayer de tous les moyens, avec tous les moyens possibles et mis à notre disposition à l'heure d'aujourd'hui, à apporter des petits procédés créatifs pour motiver les élèves et surtout leur faire comprendre et leur faire, on l'espère, retenir les choses. Ah, je vois qu'on réagit sur les réseaux sociaux. Je vois hashtag LaboMalone, déçu de ne pas pouvoir être là. Bon amusement pour cette inauguration. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas de qui ça vient. Je pense qu'on s'amuse quand même relativement bien. Qu'en pense-tu, Lucie ? Oui, tout à fait. Il y a plein de monde. Les gens sont super contents d'être là. Ils posent énormément de questions et ça fait vraiment plaisir. Ok, super. Merci à tous. Merci Lucie, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Un message peut-être pour les élèves qui nous regardent et les enseignants qui nous regardent. Si tu avais quelque chose à dire, tu dirais quoi? Je pense que le monde change et qu'il faut évoluer avec le monde. Et ça passe par l'enseignement. Donc restez fixés sur ça, évolution, créativité, c'est le but. Maintenant un reportage sur l'activité bac à sable de Gauthier, élève de 3e. Donc élève dont Madame Collignon nous partait tout à l'heure parce que c'est lui qui fait son TAFE sur le Creative School Lab. On vous envoie tout de suite un petit reportage sur ce fameux bac à sable dont nous parlait Lucie. Retour sur le live. Je suis accompagnée à nouveau d'un étudiant de l'ENALUX qui est aussi en section géographie, histoire et sciences sociales. Il va se présenter et ensuite je lui poserai une petite question. Alors bonjour Liam, peux-tu me dire un petit mot sur toi ? Alors bonjour, je suis un étudiant de 2e GHS, très heureux d'être dans cette école de Malone avec des profs extraordinaires, des compatriotes extraordinaires, des camarades extraordinaires. Et j'espère terminer ces études en beauté. D'accord, merci Liam pour tes présentations. Ici, donc, nous sommes vraiment dans un Creative School Lab, donc il y a vraiment tous des procédés créatifs qui sont mis en place. Tu as déjà réalisé maintenant quand même pas mal de stages. J'aimerais juste te poser une question. Est-ce qu'au sein de tes stages, tu as mis en place des procédés créatifs pour tes élèves ? Alors oui, voilà. Donc, je tiens à dire quand même que le Creative School Lab est tant positif pour l'élève que pour le professeur. Tout d'abord parce que pour l'élève, il va avoir affaire à des activités un petit peu plus ludiques, un petit peu plus personnelles, où il va vraiment être le premier acteur de son apprentissage. Et pour l'enseignant, pourquoi ? Parce qu'il voit une nouvelle manière d'enseigner avec des activités beaucoup plus aussi ludiques, personnelles, beaucoup plus recherchées et beaucoup plus chouettes à enseigner. Ok, d'accord, merci Liam, mais tu n'as pas répondu à ma question. Je te demandais si tu avais mis toi en place des moyens, des procédés créatifs au sein de tes stages. Et si oui, peux-tu nous les expliquer ? Merci. Alors oui, lors de ce premier stage notamment, j'ai mis en place un procédé assez original, c'est-à-dire que j'ai vu les courbes de niveau avec les deuxièmes générales à champion. Et pour ça, utiliser de la pâte à sel avec du fil de nylon, des feuilles de couleur, et ils ont dû vraiment faire une activité très ludique où ils ont dû manipuler la pâte à sel pour pouvoir observer les différentes courbes de niveau. Ensuite, pour mon deuxième stage, j'ai utilisé une maquette que les élèves ont dû réaliser eux-mêmes sur Los Angeles, et ça a très très bien fonctionné parce qu'ils participaient à cette maquette, et surtout pourquoi ? Parce qu'ils apprenaient eux-mêmes, ils étaient le premier acteur une fois de plus de leur apprentissage.
merci Liam en tout cas pour ton témoignage qui était très enrichissant pour ce live. Enchaîner avec un dernier, une dernière interview avec un étudiant qui termine. Hein, voilà, c'était le dernier cours de toute une vie pour lui aujourd'hui. Donc Florian, bonjour. Bonjour. Voilà, donc il va un peu se présenter également et nous dire un peu. J'aimerais te poser moi comme question en tant que futur enseignant, vu que tu as fini maintenant, là c'est parti, tu vas te lancer, dernier jour aujourd'hui, hein, tu vas te lancer maintenant dans la vie active. Est-ce que tu imagines ce genre de procédé au sein de ta classe plus tard dans l'enseignement? Alors évidemment, tout à fait, parce que varier les procédés méthodologiques avec les élèves permet d'avoir une dynamique tout autre et de pouvoir varier le procédé et d'avoir tout le temps un renouvellement de la façon de donner cours pour ne pas tomber dans un cours classique où les élèves s'ennuient. Quand on change la méthodologie, quand on change la façon de donner cours, ça donne une toute autre dynamique. Les élèves sont intéressés, ils sont curieux, ils veulent découvrir, ils veulent comprendre la nouvelle dynamique qui a été amenée au cours. Ils veulent toujours s'investir de plus en plus et être participatif et mettre au cœur du développement pédagogique de l'élève, la méthodologie de cours est une clé pour réussir à intéresser l'élève, à faire comprendre les choses, à faire découvrir les choses et par conséquent à faire réussir leur année et à réussir leur scolarité. Super, un grand merci à toi en tout cas. Merci. Et voilà, un grand merci à vous de nous avoir suivis en direct. Et alors, tout de suite, l'interview de Monsieur Bollen. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Profitez bien, bonne soirée. Bonjour, nous sommes ici en direct avec Monsieur Bollen qui va tout de suite nous expliquer qui il est ici au sein de l'école. Eh bien voilà, donc bonjour à tous, Paul Bollen. Moi je suis simplement un enseignant ici dans le normal secondaire. Donc prof à la fois avec des étudiants qui se destinent à être prof de français ou prof de géographie, histoire, sciences sociales. Ceux-là même qui nous invitent aujourd'hui. Et vous êtes professeur de quoi? Je ne sais pas si vous l'avez précisé. Donc professeur de psychologie et des apprentissages, ce qui nous préoccupe évidemment au premier chef ici, et de psychologie de la relation, de sociopolitique et de formation à la neutralité. Que pensez-vous du projet ici, Creative School Lab, au niveau de la philosophie, le projet de manière générale? Je pense beaucoup de bien, en tout cas dans un premier élan. Dans un second, il faudra que je construise un autre avis au fur et à mesure du temps, mais dans un premier élan, beaucoup de bien, dans la mesure où aujourd'hui, d'un point de vue pédagogique, on sent bien qu'on a envie de faire péter les murs un petit peu partout, parce que l'école est sans doute poussiéreuse dans ses méthodes. Et donc la philosophie du lab, pour moi, est intéressante de ce point de vue, puisque ça permet à tout un chacun, par la créativité, à la fois d'apporter le meilleur de lui. Alors bien sûr qu'il y a des outils, il y a des méthodes, des techniques sans doute qui vont mieux convenir aux uns et aux autres, ce qui permet de rejoindre d'ailleurs cette fameuse différenciation quand on a des publics fort hétéronomes. Et donc pour moi, il y a quelque chose de très prometteur de ce point de vue. Ce qui me touche beaucoup aussi, quand je vois ce qui se passe là aujourd'hui, c'est toute la collaboration. Ça aussi, nous sommes en train de vivre ici avec des étudiants de trois niveaux. C'est quelque chose que je trouverais super à faire dans n'importe quelle classe de l'enseignement obligatoire, de ne plus faire des classes par âge, mais bien par préoccupation, par objet d'apprentissage. C'est ce que vous êtes en train de nous démontrer, au-delà des outils, au-delà de la philosophie créative. Je trouve ça assez fantastique, vraiment bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Et est-ce que vous pensez que c'est envisageable pour vous d'intégrer le projet et de donner éventuellement cours de psychologie ici même au sein du School Lab? C'est non seulement envisageable, mais c'est prévu. Voilà. Oui, effectivement, avec les étudiants du bloc 1. Et donc voilà, j'ai déjà échangé avec les personnes qui vous aident à gérer le site ici, hein, cet espace. Et effectivement, l'an prochain, je m'y lance. Super, merci beaucoup en tout cas. Nous revoilà en direct. Je vous parlais tout à l'heure d'un élève de 3e qui faisait son TFE sur le Creative School Lab. Nous avons la chance d'avoir Gauthier avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors, pourquoi avoir fait ton TFE sur un Creative School Lab? En fait, je ne pensais pas du tout faire mon TFE sur le Creative School Lab au départ. Je pensais juste faire sur le bac à sable interactif. Et c'est les professeurs qui sont venus me chercher qui m'ont dit tiens, pourquoi tu ne serais pas partenaire avec nous? Pourquoi tu ne participerais pas, tu ne t'inclurais pas en tant qu'étudiant partenaire dans le projet? Es-tu satisfait du projet? Et s'il y avait des choses à modifier, à améliorer, quelles seraient-elles?
Il y a des choses à modifier, bien sûr, il y en a des choses à modifier. Par exemple, déjà l'esthétique du labo, moi je trouve pas ça super, super attrayant. Il y a aussi les pratiques à changer, il y a beaucoup de choses à changer au niveau des pratiques, de la modification de l'espace surtout. Je pense qu'on peut encore plus changer les espaces, les moduler, pour que ce soit encore plus pertinent dans l'apprentissage des étudiants. Un mot à dire aux gens qui nous regardent ? Ben merci de nous regarder, j'espère que ça éveillera de l'inspiration en vous. Merci Gauthier. Vanille, le petit mot de la fin ? Oui, bah alors un tout grand merci en tout cas à vous tous pour nous avoir suivis en live. Vraiment, ça n'a pas été facile pour nous, c'était la première expérience, mais ça s'est super bien passé. Vraiment un grand merci, j'espère que vous avez apprécié et que vraiment, comme Gauthier le disait, que ça vous a inspiré pour la manière de revoir l'enseignement. Donc un grand merci pour ça et eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse, vous allez voir les mots, les photos de notre pour clôturer cette année ici, donc une sorte de petit best-of. Voilà, un grand merci. Et Virginie, un petit mot de la fin ? Merci à tous, vive l'enseignement, parce que je pense vraiment que l'éducation, c'est la clé de demain. Bonne soirée tout le monde, merci. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don. Cette étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre pour se comprendre ensemble, ensemble, même si l'on est différent. Et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Et ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Qu'on s'adore ou qu'on s'ignore de toute façon, entre ceux qui viennent et we'll
terminer sur une note sympa. Donc, comme vous l'avez vu, il y avait un grand nombre de personnes derrière l'ordinateur. Il y avait Maximilien qui s'occupait du prompteur que les filles lisaient. Il y a Victoria qui était l'envoyée spéciale dans tout le labo. Il y avait Alexis qui s'occupait principalement de tout ce qui est graphique et les commentaires, montage. Et il y avait surtout Alexandre Bels qui a mené ça d'une main de maître et qui est notre responsable informatique délégué à Malone et qui est vraiment au top avec les nouvelles technologies. Excusez-moi, je ne sais plus parler, je parle trop. Et merci Alex parce que grâce à toi et tes connaissances en TIC, nous avons permis de faire un live et donc de partager ces belles choses avec tout ce monde. À très bientôt, merci à tous. Merci.